Bonjour à tous et bienvenue dans La Bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on joue à un jeu un petit peu particulier, puisque c'est un jeu gratuit sur Itch.io, mais dont le développement est suspendu en vue d'une commercialisation sur Steam. Donc ce que nous voyons est la dernière version rendue gratuite par les développeurs, avant leur décision de développer le jeu pour être vendu plus tard. Donc le jeu n'est pas fini, n'est qu'un prototype, et en même temps, nous donne une bonne idée du jeu qu'on pourra trouver plus tard sur Steam. Pas pour vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti. Triche un peu, j'ai déjà regardé les contrôles et un peu à quoi m'attendre, puisque il n'y a pas de tutoriel dans le jeu. Donc j'ai dû me renseigner un petit peu avant, regarder le readme qui est et trouver les contrôles. Donc en gros, raft, ça veut dire radeau, et donc on est sur un radeau, et le but c'est de survivre. Et c'est un jeu de survival tout simple, où on va pouvoir récupérer des ressources et les crafter. Donc comme vous le voyez, il y a un requin, c'est super engageant, et là comme vous le voyez probablement, il y a des trucs qui flottent. Et je peux donc lancer cette espèce de gros crochet. Yeah! Et récupérer les trucs qui flottent. Donc là, en l'occurrence, des planques ou, je veux dire, des planches de bois. Allez, viens, 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 viens. Hop! Ça, des fats. Ça doit être des feuilles de palmier, j'imagine. Ici, ici, il faut que je montre aux gens qu'est-ce que c'est. Un raté. Je lance super bien comme vous pouvez le voir. Ah! Allez, viens! Ouh, un tonneau, ça va être bien ça. Qu'est-ce que. Ici. Ici. Et puis toi, viens ici. Hop! J'ai toujours pas réussi à récupérer un de ces petits machins qui flottent là. Allez! Bidule là. Ouais! C'est crap! Donc c'est un petit bout de métal. Je peux aussi juste ramasser les trucs qui passent à ma portée. Hein. Je peux aussi aller nager, mais je peux aller dans l'eau, voilà. Vous voyez, j'ai l'air fatiguée, mais direct le requin il fonce vers moi. Donc on va pas faire ça. Hein. On va pas faire ça. Non, on va pas le faire. Je refuse. Même pour vous entertain, j'ai pas envie de me faire attaquer par un requin parce que j'ai peur des trucs dans les profondeurs quand je me baigne dans la réalité. Donc je vais pas nourrir cette peur. Pour ça, j'ai du mal à jouer à des jeux dans l'eau, du coup. Je pourrais pas jouer à Subnautica, par exemple. Je sais pas si vous, certains d'entre vous vont connaître. Et typiquement, je pourrais pas jouer à Subnautica. Parce que c'est dans les profondeurs, et j'ai peur des profondeurs. Voilà. Chacun ses petites trouilles. Hein. Ouais, c'est les profondeurs. Ok, et où le requin ? Bon, là, je commence à avoir des trucs. Comme vous le voyez en bas à droite, j'ai des petits indicateurs. Et ils me servent à savoir comment j'ai faim, soif et où j'en suis de ma vie. Je vais me faire donc des trucs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une canne à pêche, je peux faire une hache. Ça sert à couper des arbres. Et mon propre radeau. Parce que pourquoi pas? Ok. Alors une canne à pêche, je pense que ça va m'être utile. Donc il me faut de la corde. Un marteau, d'accord, pour étendre mon truc. Je peux faire ça. Ça j'en ai un, j'en ai pas besoin. Ah, ça pourrait être pas mal que je fasse ça aussi. Alors là-dedans, un coffre, d'accord, je n'ai pas encore besoin, on peut pas dire que je roule sur. Je mets toutes mes ressources là-dedans. Ah, non, reviens. Un tonneau. Viens, j'ai besoin de choses.
sens pas bien. Je me sens super risquée là. Ah, presque. Donc je disais, chest, cooking station pour cuisiner de la nourriture. Wouh! Va y voir. Donc, d'accord, ça c'est de la nourriture, ça c'est. Un purifier de l'eau, c'est bien ça. Mettre des graines. Oh, je peux planter des trucs et les faire pousser. Sur un petit radeau, ça peut être pas. Oh, je peux faire un filet pour récupérer les objets. Trop bien. Une chaise. D'accord. Une lampe. D'accord. Une table. Pas mes priorités exactement. Et clou. Ah, de la corde. Là. Ah, pour remplir sa dos, ça va être bien. Alors, je voulais. Voilà, je vais faire un truc pour faire de l'eau. Et après, je ferai ça. Mais pour ça, il me faut plus de scrap, ça. Comme ça. J'ai. Il y a des scraps, là. Yeah. J'ai l'impression que la lumière change un peu. Il doit y avoir un cycle jour-nuit et ça ne me réjouit pas parce que je sens que je vais galérer. Ah, qu'est-ce qui... Mais va-t'en. Mais... Je peux rien faire. J'ai pas... Ah, non, il me faut l'autre outil, là. Il me faut la lance pour ça. Il mange mon radeau. Il a mangé mon radeau. Je refuse. Viens ici. Je vais te casser la figure, tu verras bien. C'était mon chez moi, ce radeau, d'accord? Ne mange pas mon radeau. C'est pas bon pour les requins, je vois pas. Ouais. Je vais peut-être poser ça, par contre. Fluidwater. Ok, non. Cook. Bon. Une fois qu'on comprend les contrôles, ça va, là. Je me suis un petit peu renseignée avant, parce que c'était pas indiqué dans le jeu. Que... Je vois à peu près les touches. Non, c'est un peu obscur. Mais sinon, en termes de jeu de survie, c'est intéressant. C'est sympa, je trouve. J'ai mangé la seule nourriture que j'avais. Et dans la loose. On est mal, là, les enfants. On est très très mal. Vite, il me faut de l'eau, s'il te plaît. Oui. Oh, trop bien. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que j'avais sinon, le truc bien que je pouvais faire? Une canne à pêche. Une canne à pêche, ça me paraît vachement bien. Et un marteau, du coup. J'avais déjà fait un marteau. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait trop de marteaux. Pourquoi, vu qu'il avait l'air de manger les coins, le requin, et ben on va en faire d'autres coins. Comme ça, il mangera pas tout de suite le truc qui me fait l'eau. Voilà. Très bien. Alors, si je lance ma canne à pêche, ça fait quoi? Yeah! Trop facile. Hein? On va pêcher. Ok, pas terrible. Le poivre plus! Si, il me faut le cooking station, la cuisinière, quoi. T'es tranquille, t'es chez toi et t'as une cuisine. J'ai loupé un tonneau. Ça, c'est la loose. Vas-y. Hop. Yeah. Donc, hein, on était parti pour... Il me faut un scrap de plus. Trois cordes. J'ai des poissons. Ah non, attends, il me faut... Ouh, quel soleil qui se couche, ça va pas être globe, ça. C'est bon pour en faire une cooking station. Yeah. On peut mettre des trucs à cuire. Wouh! Ici. Marteau. Ok, je vais continuer à pêcher un petit peu.
je m'éloignais tranquillou. Parfait. Puis ça fait un petit bruit aussi quand t'entends tout. Nickel. Où ah. Où il a... Hein ouah. Ok, bon, bah en tout cas, ça, comme système. Ah. Cool. Ok. Ah, je vais beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Bon, à part ça, ce serait bien d'avoir plus de ressources quand même. D'accord. D'accord. Ce serait vachement bien. Dans le luxe, quoi. Ah. Le qui s'approche, là. Ouh, disgrâce. Qu'est-ce que je... Oui, un filet. C'est ça que je voulais faire. Ça avait l'air bien. Il me faut une corde de plus. D'accord. J'ai juste ce qu'il me faut, quoi, les enfants. Mettre un filet. Mettre un filet. D'accord. Ça a l'air rigolo. Je vais la mettre là. Ah bah tiens, il y a déjà un truc dedans. Ouh, fancy. Ok. Je vois pratiquement rien. C'est terrible. Ah, ah, beaucoup mieux, merci. Il me faudrait une corde de plus pour faire un... J'ai pas de quoi faire une corde de plus. Mmh. Est-ce qu'il y a des feuilles qui arrivent? Oui, il y a des feuilles qui arrivent par là. Hi. Peut-être je devrais pêcher aussi. Ah non! Mais va-t'en! Ça coûte des trucs ce que tu fais, ok? Faut que t'arrêtes de faire ça. Voilà, voilà, je vois plus rien. Voilà. De nouvelles choses. Et très très meilleur. J'ai pas assez de choses pour le faire. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais plus ce que je devais faire. Mais c'est pas grave. Tant pis. Ah si, je sais. Là, voilà. Mais arrête, je vois plus rien. Au secours, je vois plus. Ah, voilà. Du coup, on va pêcher, hein. Parce que, bon. Bah, je vois que dalle, de toute façon. Mais je vois que dalle, de toute façon. Je vais autant pêcher. Moi, je pense que c'est une bonne solution, vous voyez. Vas-y. C'est sympa, cette gestion des ressources, mais c'est un peu la galère, quand même. Mange. C'est quand même difficile en fait comme jeu. Et je dis pas que je suis pas très bonne au jeu difficile, mais je suis pas très doux au jeu difficile. Yeah. Bon, avec ça on doit pouvoir faire des trucs. Faire une corde dans le doute, j'ai l'impression qu'on en a besoin souvent. Pas assez de corde. Pas assez de corde. Oh, plus de cordes. Donc il me faut plus de fafaille. Essayez. De thatch. Je n'ai aucune idée de la vraie signification de ce mot parce que je ne connais pas. Donc je suis pas trop. En anglais. Oh. T'es en train de me chercher là. Vas-y, 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 vas-y. Mène-toi, mène-toi, mène-toi. Non. Non. Non, tu t'en vas. Il a failli. Il a failli. Il a essayé de manger. Mon truc à faire à manger. Super, bonne ambiance, merci. Bravo le requin. Sympa. Va donc faire ça. Je peux pas réparer. Oh si. Oh. Oh. Je vais pouvoir trop me faire un radeau de luxe. Ça va être trop bien. Et donc. Réparation. Hmm. D'accord, ils ont chacun des trucs de... D'accord, ok. C'est genre la santé du bois, quoi. Enfin, il est parti de ton radeau. Cool. Tic. Bon, donc je disais à la base, récupérer des feuilles.
ça fonctionne. On peut juste laisser le crochet dans l'eau, les trucs s'y accrochent. Comment c'est trop facile, ouais. J'espère qu'ils corrigeront pas ça. Parce que c'est quand même pas... Ah mon dieu! Reviens ici, viens ici. Viens, viens là, viens là. Hein, tu restes avec moi la feuille, hein. Naméo. Est-ce que je peux faire cuire des patates? C'est une vraie bonne question, ça. Boum. Alors, donc, je disais, il me faut faire un autre filet. Yeah. Oh yeah. Cette patte-là. Un côté, comme ça, je... Une longue ligne de filet d'un côté. Et gérer l'autre côté. Ça aurait pu être bien aussi. Eh, tant pis. C'est genre vous passez genre juste à côté. Tu sais, c'est la moquerie du jeu, quoi. Mmh, t'as fait des filets? Non, on va passer à côté. Mmh, des os. Nya. Mmh. Mais ça, je peux pas les... Non, je peux rien faire avec. Que je les plante, donc il faut que je fasse un truc pour les planter. Mais d'abord, je vais faire plus de filets. Comme ça, on aura plus d'items. Et ça me paraît un peu plus d'items. Parce que là, je galère. D'items, c'est bien. Plus de ressources. Alors, qu'est-ce que je disais? Il faut que je plante des trucs. D'accord. Je plante des plantes. Pas planter des gens, c'est pas pareil. Voilà. On va te mettre là. Wow, 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 wow. Et c'est complètement raté. Et un peu moins raté. Ok, je récupère. C'est mon truc, ça, ça va. Alors, oui, il m'en restait. Alors, voyons. Déjà, des graines. Je vais les planter. Ah! Il va me falloir l'autre crop. Oh, c'est un pot. C'est un truc de plantation pour les arbres. Par contre, je me demande comment tu fais pour avoir du terreau de là où t'es. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On est sur des, on est sur un radeau, mais on a du terreau, y a pas de problème. Pas de souci. Suspension de la crédulité, tout ça, tout ça. Hein. Au moment, faut bien qu'il y ait des mécaniques de jeu. C'est très sympa. Je me demande s'il y a plus que ça derrière que juste... Ou peut-être que c'est juste... Il y a juste ça dans le prototype. C'est un peu une démo du coup maintenant. Et à la base, le jeu était juste développé sur Itch.io et puis finalement, les développeurs ont vu que ça... ont dû voir que ça marchait plutôt bien et puis... Bon, bah, on va en faire un jeu plus complet. Ce qui est toujours une très bonne idée. Il n'y a pas de mal à vouloir être payé pour son travail, effectivement. Surtout quand c'est un projet qui demande autant de boulot qu'un jeu vraiment. La la la. Je pêche. On peut. Est-ce qu'on peut faire plus de filets? Hein? Bon, on va faire ça. On va faire plus de filets. Vas-y, je vais faire toutes les cordes que je peux. Yeah. Moi, je peux en faire qu'un. Yeah. Trop contente. Vraiment ravi. Non, 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 tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà, tu t'en vas. Vas-y, répare. Ouh, un item, ouh, encore un item, ouh, des items, you. Mais c'est Byzance. On va manger, on va boire. Hydrater, c'est important. On est en plein soleil, tout ça, tout ça. Et là, je peux rien faire, non? Toujours pas, pas prêt. Mm-hmm. Ici, j'ai besoin de cordes. Yeah. Encore planter des trucs. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, trop bien. Je peux en planter que 3. J'ai dû manger. Je ne mourrai pas de faim. Incroyable. Youhou. Genre vous passez juste à côté quoi.
juste à côté. N'importe quoi. Autant de ce côté-là, je veux bien, j'ai pas grand-chose, mais bon, quand même. Faut y faire un effort. On fait voir. Ah ouais, donc les slots, c'est 10 maximum. Très bien. Très bien, très bien. On va mettre tout ça là-dedans, parce que voilà. Hein. Yeah, ça peut se taquer quand même. La molette est un peu pas terrible. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. J'ai utilisé toutes les cordes là. C'est un peu bête de ma part. Pas grave. Pas grave, on va refaire. L'un. Ouh, on peut même faire deux filets. Sans, les uns. Ou l'autre. Ouh, 4 items. Oh, mais quel luxe. Et je vois plus rien. En plus, ça me redonne un peu... ça m'hydrate un peu de manger. C'est rigolo. Après, manger des légumes, j'ai pas fait gaffe quand je mangeais du poisson, mais... Y'a pas d'autre... Non. Je vais boire quand même. Et voilà. Je sais, j'ai vu, il y avait là-dedans une lampe. Faut que j'en fasse un petit. Ça me paraît bien. Oh yeah! On va enfin y voir un peu plus clair. Et l'autre aussi. Voilà, histoire de pas tomber. Déjà, il y a... Ah non, je les ai plantés plus tard. C'est bien, t'en plantant, t'en récupères deux. Très bon deal. Ok. Juste de lumière. On va essayer de faire autre chose. Voir comment ça fonctionne. Il me faut des clous et des cordes. C'est de tester ceci. Wouhou! Oh waouh, c'est gigantesque! Il va me falloir grave plus de place en fait. Et là. Pour ça, il me faut plus de cordes. On va agrandir les enfants. Blanche, mince! Ah non, c'est pas le moment! Mais on en avait plein! Pourquoi on n'en a plus? Hein? Nul. Non. Du coup, je disais. Faut des planches. Des pépises. J'ai une planche. Mais c'est pas grave, ça peut servir. Pas une planche non plus, mais c'est pas grave, ça va servir. Je vais être récupéré en fait. Je peux être récupéré, c'est bon. Et bonjour, ce serait pour avoir du planche, s'il vous plaît. Ah, il y a un tonneau qui arrive par là-bas. C'est fou tout ce qu'on trouve dans la mer quand même. Là, on va pouvoir y arriver là, c'est bon là. Là, c'est bon, on peut. Ah, génial! Et tout au bout. Et on fera attention au requin. Alors, ah ah! Ah ah! Regarde. Oh! Fantastique! Oh. Regarde! Il y a un tout petit nanarbre qui pousse à vue d'œil. C'est trop mignon! Oh, viens ici, toi. Donc je disais, un bébé arbre, regardez. C'est des arbres, ça va être bien. Attendez, comment on peut récolter d'ailleurs les arbres autour? Je me demande si ça va marcher, comment je vais faire. Si, non, il y avait une hache. Il y avait une hache qui était utilisée pour... oui, c'est ça. Une hache, pardon.
Ah non, je peux pas encore en fait. C'est, il est en train de pousser là, il va rien donner si je fais ça. J'ai pas d'ombre, c'est rigolo. C'est intéressant. Peut-être pas de corps en fait. Ça se trouve, tout n'est qu'une illusion. Bah. Dun dun dun. Je cherche des complications? C'est parce que je suis en train de stresser. C'est parce que je vais peut-être mourir. Parce que j'ai pas de. Ah. Yeah. On attend que ça pousse, hein, quand même. Ça prend son temps à pousser d'ailleurs. De quoi? Du petit arbre, regardez, il est tout mignon, hein. Il est tout mignon. Oh, regarde, il est un peu plus grand maintenant. Une planche! Une planche! Ah! Ça sent mieux. Excusez-moi, j'ai paniqué. Regardez, je peux rien faire. Bon, je lui donne. Hein. Mais. Une planche! Alors cet arbre, ça pousse? Ça pousse! Ça prend son temps, mais ça pousse! Et là? Ça bouge encore. C'est long de faire pousser un arbre. Oui, je sais, c'est beaucoup moins long que dans la vraie vie, mais c'est pas la question. Oh, regardez. Je récupère des planches, oui! Et des feuilles. Bien. Des noix de coco! Évidemment! J'avais vu. J'avais vu qu'il y avait des noix de coco dessus. Ah! Mais non, 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 mais non. Certainement pas, Maurice. Va-t'en, Maurice. Maurice, tu t'en vas. Du coup, alors attends. Ça fait quoi? Je peux les planter, c'est ça? Hein? Je peux pas les planter. Je peux les manger? Ouh, je peux les cuisiner? Je peux les manger? Oh, et ça me donne des graines. Très bien. Je les mange, ça m'hydrate, et en plus, ça me donne des graines. Très bien, parfait. C'est trop cool. Et je pense que j'ai fait le tour à peu près des mécaniques. Enfin, il y a encore 2-3 trucs à explorer dedans, mais... C'est surtout près de la gestion et de l'aménagement du truc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, le jeu est très très sympa. Attendez. Oui. Donc le jeu est très sympa. J'aime beaucoup. C'est un bon principe, je trouve. C'est très rigolo. Tu pars de pratiquement rien, tu récoltes ce qui se passe autour. C'est un peu bizarre parce qu'on voit pas trop d'où les choses viennent. On n'a pas de but autre que bah, survivre. Et du coup, en termes de contexte, c'est un peu dommage. J'aimerais avoir d'autres choses à faire que juste résister à un requin. Peut-être parfois avoir plusieurs requins ou trucs comme ça, histoire de monter la difficulté. Mais en attendant, pour un prototype, c'est franchement sympa, regarde un bébé arbre. C'est franchement bien. Je trouve ça super intéressant. Je suis pas une grosse joueuse de jeux de ce type de genre, de survie et crafting. Mais je trouve ça intéressant. Et surtout, le jeu est déjà drôle comme ça. Ah tiens, j'ai trop de choses. Le truc vient de couler là, alors qu'il est en bois. Ok. Ça doit être que je transporte trop de choses, c'est bon. Ah ouais, je suis pleine. Parce qu'on est là. Mais donc voilà. Je trouve le jeu très sympa. Ouh, ouh, ouh. Je vais juste à côté du truc, de là. Ah, ce sera. Et donc ça va aller pour aujourd'hui, comme je disais, au lieu de me laisser reprendre au jeu. Mais ouais, c'est encore limité, c'est un prototype, clairement. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans un jeu de survie. Mais je trouve ça super intéressant. Et je vais probablement continuer à jouer.
juste après et essayer de me faire un grand radeau un peu foufou. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez jouer à la démo gratuite qui est sur itch.io et que vous puissiez soutenir les créateurs de ce jeu qui vont donc essayer de le commercialiser sur Steam. J'espère que ça vous aura donné suffisamment envie pour soutenir le jeu une fois qu'il sortira. Et n'oubliez pas, soutenez vos créateurs préférés et jouez, amusez-vous. Merci d'avoir suivi la bouilloire. Ça, c'est du vrai radeau de luxe. Regarde. Regarde comme c'est beau. On peut s'asseoir, on peut dormir ou manger. Je sais pas si c'est une table ou pas. Il y a du stock, il y a de quoi manger, de quoi boire. Il y a des filets partout pour ne rien laisser passer. On a des arbres qui poussent, là, c'est le jardin. On monte pour aller au potager avec la terrasse à l'ombre, tranquillou. Et là-haut, c'est le petit observatoire. Avec un autre arbre. Voilà. Je suis le roi allemand. Ouh. J'adore ce jeu.